Bonjour les biologistes. Dans cette vidéo, euh, y yani, a ni gardine chevaux la courbe de croissance. Voilà, y yani, a ni la corbe d'araignées chevaux fille la courbe de croissance. D'abord, mettons-nous à échanger sur la chaîne de Smolbiologie. Mais à commencer par le début de cette vidéo. سكي تري زامبورطون يعني هاد لا هاد 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 الشابيتر هادي ديال ديال الكرواسونس باكتيريان سي تري زامبورطون يعني ضروري تحط في ليكزام ضروري تلقاها في ليكزام وبالضبط بالضبط هاد لاكورب هاد لاكورب فوالا ضروري يعني في ليكزام هذا ما يحيدوش لك الطبيب يعني كيحط لك واحد لاكورب لاكورب دو كرواسونس لي هو هذا نيت وكيقول لك يعني الكاركتير ديال كل فاس سي تري سيمبل فوالا دونك اول حاجه هاد La courbe de croissance bactérienne, ce qui est très important, on N en fonction de temps. Il y a un nombre de, de, de bactéries. Voilà, euh, une multiplication de bactéries en fonction de temps. Donc, cette courbe, il y a une commune. On a Première phase, face. Si ça face la puis une petite phase, phase d'accélération, il y a une phase d'accélération, de phase de départ, il, départ de multiplication, voilà. Puis, euh, puis, phase euh, exponentielle, c'est cette phase qui est très importante, une phase qui est la multiplication optimale des bactéries, puis une phase d'accélération, que une multiplication que we une phase stationnaire, puis une phase d'islam. Alors, alors que, je vous la phase pour Le premier phase, c'est la phase, la danse. Danse donc c'est quoi la phase latence c'est une question phase latence c'est ça on n'a pas de croissance il y en a une qui concède les croissances il y en a un zéro égal à constante et donc nombre de multiplication égal à zéro voilà les causes c'est quoi les causes c'est ça encore une question l'âge des bactéries voilà la composition du milieu de culture voilà c'est ça les causes de cette phase phase de latence puis on a une phase D'accélération. D'accélération, c'est sa phase d'accélération. Voilà. Donc c'est quoi la phase d'accélération La phase d'accélération du vide de la croissance. Voilà. Le nombre bactérien augmente, c'est-à-dire nombre bactérien supérieur à zéro. Voilà. Encore les causes de cette phase d'accélération du vide d'adaptation des bactéries au milieu ce qui est très important pour y retenir la face les moïmes est les, les, les très très important la face optimale c'est ça face exponentielle voilà c'est ça voilà donc cette face exponentielle voilà cette face exponentielle qui est très important voilà cette face exponentielle, ce qui est très important, voilà, c'est la phase physiologique idéale pour la croissance. Il y en a la phase optimale. Il y en a qui travaillent fait à la croissance des bactéries ou la multiplication de la bactérie. Le temps de génération, l'ISG, Il y en a de temps de génération déjà je viens vidéo, vous savez, il y en a il y a un temps nécessaire pour une cellule bactérienne dont deux cellules, deux cellules voilà, il y a un temps, il y a quelques que les bactéries peuvent se voilà, donc c'est très important. Donc, euh, g, g est minimal. Voilà. Le taux de croissance. Voilà. Supérieur à zéro. maximal et constante. C'est très important. Sur le papier soumis, l'agarithmique, face exponentielle droite. Voilà, il yani y droite. Qu'est-ce qu'on a de notre droite? Voilà, log n, on a log n, il y a un nombre de, 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 de bactéries égal à euh, l'état yani, de, 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 de croissance fois t, il yani, y delta t fois log 2 plus log n 0. Je vous l'exercice, je vous bien. La phase exponentielle dure généralement quelques heures. Il y en quelques heures. Voilà, C'est très important. Puis on a une face d'accélération. C'est ça. Voilà. La face d'accélération. Voilà. La face de ralentissement. Voilà. Ou, ou la phase ralentissement. Taux de croissance diminue. Voilà. L'augmentation de N dans le temps est. Plus faible, plus faible, que le diront la phase exponentielle, le milieu devient moins favorable à la croissance. Puis on a la phase stationnaire. C'est très important. Il n'y a plus de croissance, pas de croissance. Voilà. Micro égale à zéro. Nombre de cellules variables est constante. Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas de croissance dans la phase stationnaire. Ça, c'est une question de l'examen car il y a équilibre entre les cellules qui meurent et celles qui appara apparaissent au même eux-mêmes, nombre de cellules viables, sans division ni disparition. Les causes, l'épuisement du milieu de culture, voilà, l'accumulation de méthodes toxiques, évolution défavorable des conditions physio-chimiques, c'est très important. Et le dernier face, le face de Dislin, c'est ça. Donc, c'est quoi la face de Dislin Voilà. La face de Dislin, Dislin, le taux de croissance est négatif. Voilà, négatif. Inférieur à zéro. Les bactéries ne se divisent plus beaucoup

قدر يعطيك الكوب بحال هكا هي ولا كيعطيني يعطيك عطيني الاسم ديال كل فاص سي تري امبورطون تكونوا عارفينهم سكرينيو هادشي عندكم ولا اش كان معكم ايوب القدوري من قناتكم مول البيولوجي دونك ما الاشتراك في القناه باش يوصلكم الفيديوهات القادمه في الميكروبيولوجي واي حاجه كتخص البيولوجي وما تنساوش دوزو الانستغرام نخلي لكم اسفل الفيديو انستغرام مول البيولوجي دون اسفل الفيديو باش نبارطاجيو لي فيشي الفيديو والسلام عليكم تهلاو